Avec Nadia, donc et puis c'est avec beaucoup de plaisir que je m'exprime ce soir en tant que, comme l'a dit M. Malawi, en tant que vice-présidente de la Fédération des Tunisiennes et Tunisiens au Canada et aussi en tant que présidente de Solidarité Femmes du Maghreb au Canada. Donc moi j'ai connu Nadia la première fois, c'était en 2009 ou bien 2008 lors du gala Trophée Femmes Arabes. Alors on était les deux finalistes, elle dans nos domaines respectifs, elle dans le domaine art et culture, via cinéma et culture, voilà média, et moi dans mon domaine enseignement et recherche. Et puis ensuite en 2011, un beau jour, le téléphone sonne à mon bureau et puis Nadia cherchait une femme tunisienne qui aimerait lui accorder une autre vue sur la révolution, le printemps arabe et sur le rôle de la femme et la place de la femme tunisienne lors de cette révolution. À ce moment-là, j'étais à mon bureau, je pilotais un projet d'intégration des femmes arabes et maghrébines en emploi. Alors j'étais un peu triste sur la situation des femmes dans le cadre du projet. Je lui ai dit, écoute, moi je peux te parler des femmes tunisiennes de leur rôle lors de la révolution, mais j'aimerais bien te parler de la situation des femmes maghrébines ici et leur accès à l'emploi. Donc elle m'a dit oui, elle m'a interviewée sur cette question et puis un petit peu sur la femme tunisienne et la révolution. Et c'était comme ça que je lui avais présenté quelqu'un, c'est Abdou, pour lui parler de la révolution tunisienne et c'est de là c'est né la révolution d'Abdou. Bref, après on s'était croisés à plusieurs moments. Et ce que je voudrais vraiment saluer ce succès, partager avec elle ce succès, parce que, et c'est à travers elle aussi, je salue toutes les femmes maghrébines qui se sont illustrées dans leur domaine et qui ont démontré que quand on parle de femmes maghrébines, on ne parle pas seulement de voile, mais enfin, on parle de femmes compétentes dans plusieurs domaines et leur succès passe souvent inaperçu. Premièrement, parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a un petit manque de reconnaissance de la part de la communauté. Parce qu'il faudrait que ça commence entre nous, en tant que communauté, il faudrait le souligner et le parler fort, le dire fort. Dans tous les médias, parce qu'il n'y a pas petit ou grand succès. Un succès, c'est un succès. Il faut le saluer. Nadia, elle m'a dit hier, avant-hier, elle m'a dit, mais c'est juste un petit trophée. Je lui ai dit, mais non, c'est un succès. Parce que dans son domaine à elle, Dieu sait, c'est plein d'embûches. Une femme maghrébine qui porte le nom aussi, Nadia Zouaoui, elle n'est pas tremblée, qui réussit à se lustrer dans son domaine, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour cela, moi, je lève mon chapeau, je l'encourage, je lui souhaite beaucoup de succès dans tous ses projets futurs et bonne continuation. Merci. Mais là, je fais un film qui dérange l'Occident. C'est à son tour. Donc, on m'a fermé des portes. Quand j'avais présenté le film pour la première fois, il y a des gens qui m'ont dit « Est-ce que tu te rends compte que c'est un film qui va te fermer des portes ?» Et je prenais ça à la légère, mais en fait, c'était ça. On m'avait fermé des portes. Mais je sais que le combat de la justice, c'est pas un combat facile. On peut faire des films pour plaire, pour gagner des prix, mais c'est pas des films qui nécessairement vont faire un changement dans la vie des gens. Et moi, j'ai opté pour faire des films qui vont faire réfléchir des gens. Peut-être c'est pas des films où je vais gagner toujours des Gémeaux au Québec ou en France, ou des films comme ça.
Mais je me dis, il faut quand même raconter des histoires qui ne sont pas toujours, comme disent les Québécois, pas très sexy, pour justement mettre des visages sur cette injustice. Parce que moi, je crois que l'injustice n'a pas de religion, n'a pas de race, n'a pas d'ethnie. Que l'injustice se vit de la même façon chez n'importe quel être humain, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit en Occident ou dans un pays sous-développé. Et pour terminer, je crois que je l'avais dit dans le rapport que j'avais mis, c'est que je trouve que c'est très important dans nos pays d'origine. On aime bien quand les journalistes, les cinéastes critiquent l'Occident. Je crois qu'il faut aussi apprendre à nous autocritiquer. Alors la prochaine fois, quand je vais faire un film où je critique nos pays d'origine, soyez gentils avec moi. Je crois que c'est ça. Donc je me dis, on a tellement besoin de ces histoires humaines et de mettre des visages sur cette intolérance, surtout maintenant avec ce qu'on vit avec tout le discours sur la charte. Il y a tellement de discours. Les gens se disent la même chose, mais ils ne se comprennent pas. Et je trouve que c'est important d'humaniser la chose. Réussir à ce point ainsi. Si vous saviez d'où est-ce qu'elle vient, vous l'admireriez encore plus. C'est-à-dire. Moi, je voudrais rendre hommage à Nadia. Nadia, c'est une amie de longue date. Nadia, je la connais depuis. Ça fait 20 ans que je suis au Québec. Je la connais depuis 18 ans au moins. C'est une fille adorable, très engagée. Et je viens de la revoir depuis 10 ans qu'on ne s'est pas vue. C'est la même personne, rien n'a changé. Elle est toujours aussi humaine, toujours aussi engagée. Ça me fait plaisir en tant qu'Algérienne, en tant que femme, qu'il y ait une femme qui arrive à quand même faire sa place. Ça va donner aussi une image à d'autres femmes, et d'autres hommes aussi, de faire leur place au Québec, parce qu'on est une grosse communauté. Se faire écouter, en tant que maghrébin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi, qui ont des problèmes graves, d'injustice, problèmes de travail, problèmes d'intégration et tout. Et la seule chose avec laquelle on peut réussir, c'est en se serrant les coudes. Quand on voit par exemple les camps de la communauté haïtienne, la dernière fois il y avait un chat de la chambre de Maxime qui s'est fait agresser. Et on a vu, j'ai été centre-ville, pas loin du palais de justice. Tous les taxis haïtiens sans sortir à l'heure du midi, sans stationner leur voiture à côté du tribunal, ils ont taxonné et ça a fait du bruit. Du coup, le chauffeur de taxi qui allait être poursuivi, il a été relaxé, il a été reçu par les médias, donc il a pu quand même défendre sa cause. Et la seule chose par laquelle on peut s'intégrer en tant que communauté, parce que la plupart, il y en a qui ont, ça fait 40 ans qu'ils sont là, et quand même on a des enfants ici. Si on doit faire notre place, on doit se serrer. Je suis très fière de Nadia, je vous remercie. Moi j'aimerais dire que je suis très content et très heureux ce soir de participer à cet hommage que nous rendons à une compatriote, à une femme exceptionnelle à mes yeux, puisqu'elle a réussi le tour de force de se mettre à dos une moitié de l'humanité une fois. Et l'autre moitié, cette fois-ci. Ça, c'est un exploit extraordinaire. Puis dans le petit speech qu'elle vient de nous faire, elle a cité le nom d'un personnage hors du commun. Elle a cité Gandhi, le Mahatma Gandhi, la grande âme. Et moi, j'aimerais aussi, ce soir saluer la grande âme de Nadia Zouaoui qui a réussi à s'imposer dans un domaine où beaucoup d'hommes, moi je n'aime pas cette façon de séparer les hommes et les femmes, mais je le dis, beaucoup d'hommes n'oseront jamais s'attaquer à ce genre de documentaire pour dénoncer les comportements, on ne va pas s'étaler là-dessus. Nadia l'a fait, elle a réussi, et en plus de ça, elle réussit aussi à gagner un prix à l'endroit où il ne faut pas. Il y a un endroit où personne, aucun monde ne rêverait d'imposer ses idées, c'est-à-dire au cœur de New York, l'endroit où ont eu lieu
les attentats du 11 septembre. Bravo Nadia, merci beaucoup, nous sommes fiers de vous. Tout a été dit, mais ce que nous n'avons pas évoqué, c'est que nous avons affaire à une dame qui est très belle. Je tenais à le souligner, plus que tout, surtout, la connaissons depuis près de 2 décennies, les épreuves qu'elle a traversées. Réaliser ce qu'elle vient de faire, c'est un exploit. Bravo Nadia, bravo. Moi, je voulais témoigner d'une chose, c'est que la sortie du film Nadia, le voyage de Nadia, elle a coïncidé avec mon arrivée au Québec. Au départ, je me suis dit, bon, je suis avec une fille qui veut se faire du capital sur le dos de sa communauté. Bon, mais elle a réussi à vraiment à me démontrer le contraire. Et ce que j'apprécie chez Nadia, c'est qu'elle est, elle est réellement une femme inclassable. On ne peut jamais la classer. Vous essayez de la classer dans une catégorie, elle vous sort dans une autre. Mais si on peut juste la classer, c'est une femme qui aime la justice et c'est une femme qui sera toujours du côté de la justice. Que ce soit la moitié de l'humanité qui la déteste ou que l'autre qui l'aime, elle sera toujours du côté de la justice. C'est ça, je voulais témoigner.